Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tag qui tourne pas mal sur YouTube en ce moment. Je crois, j'espère ne pas me tromper, si je me trompe n'hésitez pas à me mettre un commentaire, que c'est un tag qui a été créé par Alizé. En tout cas Alizé a refait une... C'était Hélène mon blog de fille, après Alizé a refait les questions, bref je crois que c'est un truc comme ça. Si je me trompe n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est un tag en 14, 15, 20 questions, n'importe quoi. Donc voilà, on va commencer. J'ai été taguée par Miss Bouli, donc Audrey, donc je te remercie Audrey de m'avoir taguée. Alors c'est parti, première question, tu préférerais ne porter du maquillage que sur les yeux ou que sur le teint? Alors, en ce moment, je dirais que les yeux, puisque je touche du bois, je n'ai pas une peau trop pourrie. Donc je dirais que les yeux, ouais, voilà. Si on est bien maquillé, les yeux bien maquillés, ça fait tout de suite... voilà. Ok. Question numéro 2, tu préférerais avoir tout le temps les cheveux secs comme de la paille ou les cheveux gras? Alors ça, c'est horrible comme question. Alors... J'ai bien réfléchi et je pense que je dirais les cheveux secs, puisque les cheveux gras ça fait vraiment crado, ça fait sale. Donc voilà, je dirais les cheveux secs. Mais bon, les cheveux secs c'est moche aussi. Donc non, mais les cheveux secs, parce que les cheveux gras ça fait vraiment crado. Question numéro 3, tu préférerais faire des vidéos de taille normale sans le son et... avec des annotations, ou faire des vidéos de toute petite taille avec le son? Alors, des toutes petites tailles avec le son, puisque c'est pas grave si vous me voyez pas, vous m'entendez, c'est le principal. Mais je trouve que une vidéo qui fait comme ça... Non. Donc, voilà, toute petite taille avec le son. Ensuite, question numéro 4, si tu avais 1000 euros à dépenser, tu préférerais acheter que des vêtements ou que du maquillage? Alors, je pense que je suis blindée niveau maquillage, je n'ai plus rien à acheter. Je dis ça, mais bon, la nouvelle collection de Kiko va arriver en janvier et... Mais ça serait des vêtements, parce que voilà, comme vous savez, j'ai changé de taille, donc voilà, je voudrais bien me refaire une garde-robe. Mais voilà, 1000 euros dans des vêtements et le maquillage, c'est bon, ça suffit. Ensuite, question numéro 5. Tu préférerais ne plus pouvoir regarder aucune vidéo sur YouTube, mais pouvoir continuer à en faire, ou regarder toutes les vidéos que tu veux sur YouTube et... Attendez, on recommence. Tu préférerais ne plus regarder aucune vidéo sur YouTube, mais pouvoir continuer à en faire, ou regarder toutes les vidéos sur YouTube et ne plus pouvoir en faire? Je crois que c'est bon, là. Donc... Personnellement, je sais c'est salaud, hein, mais désolé les copines, mais je préférerais continuer à faire des vidéos tout simplement. Voilà, il n'y a pas de raison à ça, mais j'aime tellement ça que voilà, je choisis ça. Ensuite, question numéro 6, tu préférerais ne plus jamais porter de sous-vêtements ou en porter des trop petits? J'en porte plus. Non mais alors la culotte qui vous sert et que ça fait la trace, le soutien-gorge où vous avez le sein qui passe par au-dessus, ça fait un bourrelet, non. Donc j'en porte plus, hein. Clairement, voilà. Plus rien. Ensuite, tu préférerais avoir des sourcils très épais et pas dessinés, à la Emmanuel Chin, et ne pas pouvoir te les épiler, ou... n'avoir pas un poil de sourcil mais pouvoir les redessiner? Alors clairement je préfère ne pas en avoir du tout de poils et les redessiner, parce que avec la barre là, il y en a qu'on est mono sourcil, non. Donc je préfère les redessiner. Je pense que ça va être la réponse de tout le monde, enfin j'espère. Celle qui me dit qu'elle veut des sourcils épais comme ça, je veux voir, s'il vous plaît. Ensuite, question numéro 8, tu préfères tu préférerais ne plus jamais épiler le maillot ou ne plus jamais t'épiler les jambes? Alors, je préférerais ne plus m'épiler les jambes, puisque j'ai la chance de ne pas avoir trop de poils sur les jambes, voire presque pas du tout. Là, pour vous dire, je me suis pas épilé les jambes depuis août.
Et j'ai presque rien, donc voilà, je continue à mettre des jupes, ça se voit pas, j'ai les poils blonds et ils se voient pas. Donc voilà, donc je préférerais ne plus m'épiler les jambes, le maillot, hein. Bonjour, bonjour. Non, non, le maillot on l'épile toujours, ça va pas la tête. Oh, voilà, voilà, les tacs comme ça, ça parle de foufoune là. Bref, ensuite, question numéro 9, tu préférerais ne plus jamais utiliser de produits MAC mais tu as le droit à toutes les autres marques ou ne plus utiliser ne plus utiliser que des produits MAC. Je préfère utiliser toutes les autres marques. MAC, je trouve ça excessivement cher et puis j'arrive très bien à trouver mon bonheur dans les autres marques et beaucoup moins cher. Donc voilà, je préfère utiliser les autres marques et ne plus utiliser MAC. Question numéro 10, tu préférerais ne plus utiliser qu'une seule couleur de fard à paupières pour le reste de ta vie ou qu'une seule couleur de rouge à lèvres? Rouge à lèvres. Parce que j'ai la chance d'avoir les yeux marron vert, donc je peux mettre presque toutes les couleurs sur mes yeux. Donc je préfère avoir qu'un seul rouge à lèvres. Bon alors par contre je prends un bon rouge à lèvres qui me va bien et pouvoir changer mon fard à paupières. Question numéro 11, tu préférerais avoir les ongles vernis en permanence dans une couleur sombre ou dans une couleur vive? Mettre du vernis normal... Alors attendez, là il y a deux questions. Waouh, c'est compliqué pour moi. Alors tu préférerais avoir les ongles vernis en permanence dans une couleur sombre ou dans une couleur vive? Je dirais sombre parce que je pense que ça va avec tout. Voilà, du genre ça, je peux être habillée dans toutes les couleurs et ça va très très bien. Donc je dirais sombre. Mettre du vernis normal brillant toute ta vie ou du vernis à paillettes? Alors je dirais normal brillant parce que le vernis à paillettes, alors... Je pense que ça me saoulerait. Là pendant les fêtes, ouais d'accord, ok, pas de soucis, mais après non. Donc je dirais vernis brillant et puis en plus le vernis à paillettes commence à la merde à enlever, mais laissez tomber. Hier j'en avais mis, donc là je l'ai changé. J'avais juste le petit doigt là avec du vernis à paillettes. C'est trop la merde à enlever. Même avec le bain dissolvant de Kiko, c'est grave, grave, grave la merde. Donc voilà, non, brillant. Toute ma vie c'est pas... Ensuite, question numéro 12. Pour une sortie, tu préférerais mettre une robe avec des moon boots ou une paire de Louboutins avec un jogging? Alors clairement une robe avec des moon boots, parce que le jogging avec des Louboutins, non, ça c'est un supplice. Non, gre-gre. Donc, je disais avant que ce connasse me coupe, non, je pense que je préférerais mettre une robe avec des moon boots, clairement, et les Louboutins avec un beau jean slim et pas un jogging, ça va pas la tête quoi. Voilà, donc ensuite, ok attendez parce que là je fais n'importe quoi. Question numéro 13, tu préférerais avoir des dents jaunes et une super peau, pas de boutons, teint parfait à lait, ou avoir des dents hyper blanches mais une peau horrible? Bah alors là, je pense que je prendrais les dents hyper blanches. J'ai la chance de pas avoir les dents trop trop jaunes. Genre elles se balancent des fleurs. Mais voilà, une peau horrible, on peut la cacher. Alors que les dents jaunes, non. Genre si j'ai les dents jaunes, je souris pas quoi, je monte pas mes dents. Mais non, je dirais les dents blanches et une peau horrible. Voilà, quitte à choisir, c'est pas grave. Ensuite, question numéro 14. Tu préférerais avoir le visage qui brille toute ta vie ou avoir un gros bouton sur le front à vie? Alors clairement, je préfère avoir le visage qui brille, quitte à mettre de la poudre toutes les heures, c'est pas grave. Alors le gros bouton sur le front, laissez tomber. Quoique, si c'est sur le front, je mets une frange, on voit rien, ça se trouve j'ai un bouton sous ma frange et vous le voyez même pas là. Par contre, il faut que j'aille recouper ma frange parce que ça commence à être long. Mais non, à choisir, je brille toute ma vie si vous voulez, mais pas de bouton. Question numéro 15, tu préférerais être habillée comme un sac et être très bien maquillée? Ou être très bien habillée, mais très très mal maquillée. Ah bah, je dirais mal habillée. Non. Non, je sais pas. C'est dur, ça.
Je dirais très bien habillée et mal maquillée. Je ne sais pas pourquoi, il fallait faire un choix, voilà, j'ai fait celui-ci. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, ensuite, question numéro 16. Tu préférerais à vie sentir fort des aisselles ou avoir une haleine de chacal? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, oh putain de merde. Alors. Ah là, c'est la question qui tue. Elle est horrible, cette question. Je pense que je dirais sentir des aisselles, clairement. Parce que je trouve ça moins dégueulasse que pu de la bouche. Surtout, j'en reviens avec à mon boulot. Je croise du monde tous les matins. Je fais signer des recommandés. Je parle très près avec les personnes. Donc, non, si tu pues de la bouche, c'est juste horrible. Mais après... Après, il y a puer des aisselles et en fait quand je suis au tri, au boulot, c'est souvent que je lève la main pour mettre dans les cases et tout le courrier. Donc, c'est horrible. Mais je pense à choisir entre les deux, je dirais puer des aisselles, clairement. Voilà, j'ai hâte de voir les autres personnes que je vais taguer pour voir ce qu'elles disent parce que cette question, c'est juste horrible. Donc voilà pour la question numéro 16. Question numéro 17. Tu préférerais ne plus jamais pouvoir te gommer le visage, corps, ou ne plus jamais pouvoir hydrater le visage ou le corps? Alors clairement je préfère ne plus me gommer le visage parce que voilà, l'hydratation pour moi c'est super important, surtout en ce moment avec le froid qu'il fait. Donc voilà, ne plus gommer mon visage, ça je m'en moque. Question numéro 18, tu préférerais vivre entouré de femmes maquillées et toi non, ou vivre dans les femmes jamais maquillées et toi oui? Alors clairement, les autres, elles sont pas maquillées, j'en ai rien à foutre, mais moi je reste maquillée, voilà. C'est logique, je pense que tout le monde va répondre ça. On se maquille pas pour les autres, même si y a un côté oui, mais on se maquille pour soi-même. Donc moi là je pense qu'à moi, je pense qu'à mes fesses. Et je préfère être maquillée moi et pas les autres. Et ma caméra est tordue, excusez-moi. Ensuite, j'ai remonté les questions n'importe quoi. Alors, question numéro 19. Tu préférerais avoir les yeux bleus, translucides, magnifiques, mais des cils très peu fournis, et ne pas recourber... Et pas recourbé, pardon. J'ai du mal à lire. Ou avoir des yeux marrons ternes, mais avec des cils magnifiques recourbés et longs. Limite à pas mettre de mascara. Alors clairement, c'est très beau les yeux bleus. Il n'y a pas de souci. Mais comme je disais, moi j'ai les yeux marrons, verts, noisettes. Et c'est nettement plus facile pour se maquiller. Alors on peut mettre toutes les couleurs personnellement sur les yeux marrons. Donc je garde mes yeux marrons ternes, si vous voulez, même si mes yeux marrons, j'ai les yeux marrons, ils sont pas ternes. Et avoir des cils magnifiques, clairement, voilà. Je pense que tout le monde choisirait ça. Après voilà, tu as des très beaux yeux bleus et tout, tu peux les maquiller, mettre du mascara pour faire que tu as des beaux cils, mais voilà, je préfère les yeux marrons. Donc voilà. Ensuite, dernière question, tu préférerais pouvoir qu'on t'offre 20 produits pas chers par mois, genre ELF, PB Cosmétiques, Catrice et Sainte Nanin, ou 5 produits chers par mois, Chanel, Dior. Alors je préférerais 20 produits pas chers, parce que voilà, il y a du ELF, PB Cosmétiques, Catrice et Sainte, c'est des très très bons produits, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir de très bons produits, et ça je ne le redirai jamais assez, donc voilà, 20 produits pas cher par mois, c'est pas mal. Voilà, le tag est terminé, j'ai kiffé faire ce tag, je vais regarder les réponses des autres, n'hésitez pas, je me crache dessus, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vidéo. Je tag toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, donc que ce soit je crois qu'elle l'a pas fait, Lorina76, Jujo Makeup, Bali Beauté, Sauce Souriante, donc ma frangine. Voilà, toutes celles qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vidéo. Et voilà, je vous fais plein 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 de bisous, prenez soin de vous et à très vite les filles. Bisous!